dans les gars. Voilà. Il se fait là. Oh, 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 oh. Ah, t'avais pas tort, on va peut-être le chercher dans le gaz. C'est de rouler les machines après, 93 tu vois. Ouais, parce que t'avais un chouïa moins vite que l'autre coup. Ouais. Ah bah là c'est bon. Ah y'a un mec qui dort dans la serre. Hein? Y'a un mec qui dort dans la serre. Dedans? Hein? Ah oui, c'est dans le plastique là. Ouais. Ah oui, c'est le clochard de pierre. Ah, clairement. Là, avec les bâtis lourds, je suis à 5 kg 5. Ah, pour la plume, quoi. Donc avec les bâtis, je suis à 5 kg 100, 200 par là. Ouais, pour du vitesse, franchement, tranquille. J'ai la patate du X-Max dans un engin de la moitié du poids du X-Max. Donc, soit on roule à deux fois la vitesse du X-Max avec la même autonomie, en théorie. Ouais, en théorie. 130. Sur 20 minutes. Ah, je vous ai enfin, là, j'ai les nuits, là. C'est là. C'est comme ça. Ah, un truc cool qu'on n'avait pas pensé, c'est RC Vince qui est tombé dessus. Moi, j'ai mis la spool, mais j'ai décalé mon pignon sur la spool. Ouais. Parce que j'ai la spool d'origine, hein, j'étais un autre pignon. Lui, il a une spool complète au bas haut, tiens. Ouais. Comme un diff. Mmh. Donc, il ne peut pas décaler les dents. Du coup, il ne peut pas le mettre, parce que ça touche au châssis et le trou est de l'autre côté. Ah merde. Moi, j'ai triché pour être dans le trou. Mais comme l'axe moteur est assez long, j'ai le pignon au bout. Ah ouais. Alors, je vois pas la vidéo. Ah, ça va mieux tout à l'heure. Ah merde. C'est le quatrième pas de traité sur la machine. Combien t'aimes? Troisième, le cinquième au total. Ouais, parce que là tu les taquines bien. Hein. Ouais, ça fait mal au cul. Hein. Ah, je voulais en commander l'autre coup quand j'ai vu le prix. Je me suis dit, ouais, je vais attendre encore un peu. Ouais. Bah là, si en plus les SP deviennent bons, ça vaut le coup quoi. Ouais, ils ont plus grand chose. Ouais, j'étais allé voir. Jam Jam aussi. J'étais allé voir là-bas. Ouais, entre moi et Jam Jam, il y a tout qui est rincé. Je m'avais trouvé sur d'autres sites italiens, mais. Ouais, ouais. Il y a du Pasquale encore. Hein. Mais après, ouais, il n'y a pas grand chose en ce sens. C'est bien, faut qu'elle est vraiment là, super équilibrée, comme ça. Je te regarde faire, je prends trop de temps. Ouais, petite touchette sympathique. T'as pas ton plumeau. Je suis arrière, c'est bon. Voilà. On va tout finir. Deux pneus complètement transparents derrière, en fait, comme un copain. Et j'ai encore un stock de 3 pneus dans mon état. Si j'arrive à tous les finir, je passerai sur les entourages. Le coureur. Ouais. On va voir un peu ce que ça donne. Ça va pas que la bagnole, mais juste pour un peu l'endurance. Ça va donner un peu de niveau aussi.
Ah moi aussi. Je l'ai juste déplacé. Une clouque. Ah, on a fait un petit peu là-bas. Ouais. Bon, en même temps, il fait mal. Hein. En X-Max, ça va, tu peux mettre un... enfin, en TT, tu mets un gros coup de patin et tu front flip par-dessus le trottoir dans le grillage. Là, c'est mou. Ouais, non, GT, c'est mort. Hein. Ah, les deux lignes droites face à face, ça fait chaud. Ah ouais, faut rester comme ça. Hein. C'est pour ça que je fais. Tu restes bien sur ton axe. Je vais pas le TT. Jamais. J'ai pas de marche arrière, fais chier. Ah si. Oui, faut juste attendre la vidéo. Ouais. Ouais, mais ça fait flipper quand même de devoir mettre la marche arrière à fond. Ouais, je sais, mais c'est... Tu sais, il y a plein de gens. Tu mets... Tu vois, tu claques la marche arrière comme tu voulais. Ah, salaud. Ah, il vient tout à l'heure, attends, il va plus. Attends, la prochaine carreau, ça fait 0,5 mm, tu vois. Oui, les véhicules à vitesse sont nuls, donnez-les-moi tous. Ne risquez pas de prendre feu, les enfants. Je vous explique ça. Ah ouais? Bah ben ouais, monter sur mousse. Hein. La petite mousse en dessous, les EC5. Ça va tout seul. Tu peux une option cardan remporté aussi pour la VTD maintenant. Ah ben. Tu peux avoir le cardan peut-être à 1 qui est gros en tube là, ils font le deuxième en tube aussi si tu veux. Ouais. Et les cardans en roue aussi est renforcé en 5 mm. Ah, comment ça, du lourd hein. On peut pas faire des destructions d'herbier avec. Non mais ce qu'il nous faudrait c'est vraiment juste un sled en plus. La méca du sled c'est une voiture piste ou autre. C'est le combo du X-Max. On va même mettre le vieux moteur, le 1650, qui a aussi vitesse. Pas bon, le 1200 plutôt là. Défaut. Dans la même devant hein. Ouais, c'est pour le petit poids puissant, c'est deux fois plus lourd, c'est deux fois plus dur. Un kilo de droite, moi j'ai 5 de droite. Les vitesses, ça pèse. Après, il est très habitué pour avoir un grand délai vers moi. C'est du temps. On va d'abord se faire la main tranquille. On s'est habitué. Ah, j'adore là les pneus qui sont bien. Je vais acheter plus de R2 moi. Bon, on va quand même essayer le XM. Super méga overclock. C'est bien déjà, ils attaquent le 6S en GT. De plus en plus. Salaud, arrêtez de zigzag. Moi j'ai rien fait, je contrôle rien, c'est tout. Prochain coup. Prochain coup, j'arrache les gaz. Là, faut qu'on se méfie quand même, hein, parce que si on roule aussi longtemps, le troisième pack intervient déjà au premier. Hein. Ouais, mais c'est ça. Parce que là, on est à 20-30 minutes, on est au deuxième, et dans 10 minutes, on attaque le pack 3. Surtout qu'il n'y a pas de pause en fait. Non, on va dire qu'il n'y a pas de pause.
j'ai pas encore de ventile au moteur, voilà, un peu plus bien. Moi non plus, j'ai pas encore de ventile au moteur. Ah, quand même, un peu plus bien. Donc il est bien parti. Ah, j'étais aspiré sur la gauche, là, direct. Ils nous payent pour le démarrage. Ouais, quand même. J'ai conduit nos pneus hein, pour eux. Ouais. En plus, ils sont des gravions. Aussi. Avec les pneus pistes aussi, mais ça serait cool. Ça vit par l'arrière. C'est un peu comme une bière. Ça va être violent, je crois. Mais la piste de torque. C'est bon, ça. C'est plus arbre. Ah merde, ça c'est moche. Ah, crapaud, il a tourné. Ah, Bill, il s'est fait plaisir de la poche. Bah, tant mieux. Hein. Il attend de faire la GT. Ah, c'est la première sortie, je crois qu'il a fait sa GT en plus. Il faut dire à l'arrêt, ça fait. Ouais, écoute, ça allait encore. Ouais, mais il a vu beaucoup plus de gaz, il part d'ici. Ah, bah, ça. Tu dis, écoute, fais carrément, vas-y, carrément, balèze, mets du 5000. Comme ça, t'as clairement la différence entre le JS. Ça, tu vois. Ah ah! Je crois que je m'emporte là. Ça. Oh, 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 je suis gros sur le micro. Je suis sorti de la ligne à la fin. Je pensais qu'elle devait trop de risques. J'ai glissé du cul, chef! Oh merde, tu passes à côté! Eh quoi, tu veux me pousser? Ouais. Allez, je sais pas si GPS il a fait batterie pour faire autant de durée. En fait, c'est plus long, ça. C'est vrai qu'on peut le brancher au récepteur. Hein. Ouais. Ah! Je vais lui donner tout au milieu. Oh, yeah. Oh, le troisième paquet là. Par contre, je me suis arrêté, c'est total bug. Oh, comme ça décroche. Approche de PS, je bouffe jusqu'à la jante. Il y a encore 10 tours de mousse avant la jante. Il y a aussi pour faire du drift aujourd'hui. Ouais, il n'y a plus rien, c'est plus rien. Salut. Salut. Regarde où est le bleu, je crois, non? Regarde où est ma mousse. Ah, j'ai vu du bleu sur mon côté. Elle bavouille. Bon, déjà, tu vois, ils ont une meilleure mousse que les autres. Les autres, ils ont quasi pas dit. C'est là. Le courant d'air qui a refroidi les pneus. Ah, c'est plus la peine, j'avais changé les pneus. J'ai pêché pour l'instant. Ah, un roman qui coule.
prochain. Ouais. On va vite checker ça avant qu'il y ait un problème. Ouais. Donc nous sommes à 250 mètres d'altitude et un maxi à 268. Donc à un moment j'ai fait un saut de 10 mètres. C'est pas moi. Eh, on a déjà fait 6 km. C'est tout? Ouais mais tu vois on a roulé pas 15 minutes là. Tranquille, en fait on va pas très loin. Hein. Ouais 15 minutes on a roulé. Ouais. T'as roulé? Ouais 10 minutes. En 10 minutes on a fait 6 km. Ça va.